to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Donc ici ça va, on est vendredi, donc ce week-end on part sur Avignon, on a été invité quelque part, je vous dirai très prochainement où. Donc ce soir on dort à l'hôtel pour être levé tôt le matin et arriver à l'endroit où on nous a invité. Donc là ce matin on doit emmener Isis dans une pension canine qu'on a réservée. C'est vraiment un chouette endroit, en fait elle va être avec un autre chien dans un grand parc, ça va lui faire du bien pour la sociabiliser. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu d'autres chiens jouer avec d'autres chiens, donc là je crois qu'elle va s'éclater, ça va lui faire du bien. Même si elle commence à vieillir, on s'est rendu compte qu'elle allait avoir déjà 7 ans Isis. 8 ans. 8 ans, qu'elle allait avoir déjà 8 ans Isis et ça devient une petite mémère, ça y est, hein, elle grandit, pourtant elle fait pas du tout son âge. Bah, la vétérinaire nous avait dit, hein, elle nous a dit oui, elle a déjà, elle est bien entretenue votre chienne parce qu'on voit pas du tout, on dirait un bébé encore. C'est vrai, elle a le poil tout brillant, on dirait pas du tout qu'elle a 8 ans, on dirait qu'elle est toute jeune en fait, elle est trop belle. Du coup bah, ça nous a fait plaisir parce que ça veut dire que du coup elle est bien entretenue et tout ça. C'est vrai qu'on l'emmène souvent chez le toiletteur, on utilise des bonnes croquettes pour son poil, tout ça. Donc voilà, du coup ça nous avait fait plaisir de savoir qu'elle fait pas du tout son âge. Voilà, donc on l'emmène dans cette pension canine, comme ça nous on sera rassurés, on partira l'esprit tranquille de se dire qu'elle va bien s'amuser dans un parc avec un autre chien. Et du coup comme ça c'est chouette parce qu'on va avoir une première expérience avec une pension. Donc à revoir pour d'autres sorties ou quoi, si jamais on peut pas la prendre, au moins on aura un endroit où la mener quand on pourra pas la prendre avec nous. Donc on est content d'avoir trouvé cette pension. Voilà, du coup bah, je vous retrouve tout de suite après. Bon, on est bien arrivé à la pension canine. Bah, Isis est trop contente, elle est partie sans même nous regarder. Elle est trop contente d'aller voir d'autres copains. Donc c'est top, elle va être avec un autre chien. Donc voilà, on les entend là les chiens. Mais je suis contente, elle va être bien ici. Pendant la préparation des valises, donc là j'ai pas pratiquement terminé. D'ailleurs aujourd'hui on a fait tout le ménage avant de partir. On part seulement de nuit, mais on a fait j'ai plié tout mon linge. Tout le linge est à jour. Romain a fait les sols, là il est en train de les faire. Vaisselle, enfin voilà, tout est en train d'être mis à jour pour qu'on parte avec une maison propre. J'ai horreur de partir en sachant qu'il y a des tâches ménagères à la maison, donc je suis contente de partir avec la maison toute propre. Du coup on va pas tarder à prendre la route, on est attendu à Avignon, donc on dort à l'hôtel pendant 2 nuits et demain en fait comme ça on sera demain à l'heure pour aller à l'endroit où on nous a invité. Donc j'ai trop hâte, vous verrez ça dans le prochain vlog. Aujourd'hui on a fait plein de choses, donc je vous ai pas repris de suite, on est vraiment en milieu d'après-midi. On avait beaucoup de comptes à faire, on avait des papiers, des paperasses, Romain a passé plusieurs appels avec l'URSSAF, tout ça, parce que bon, on a des petites galères de connexion sur le site de l'URSSAF en ce moment. Et du coup voilà, on a fait ça aujourd'hui, et puis là j'ai monté le vlog et j'ai fait la miniature, donc comme ça on est prêt à partir sereinement pour passer un chouette week-end, ça va être hyper sympa. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos retours concernant les dernières photos qu'on vous a postées par rapport à Valensole. Même Romain il poste pas mal de choses sur son compte, c'est vraiment joli. Je suis trop contente et trop fière de lui. D'ailleurs je voudrais lui offrir une formation Photoshop pour qu'il puisse être encore plus créatif. Il est vraiment passionné par ça, donc en même temps peut-être que ce soir après avoir mangé on ira sûrement faire le coucher de soleil du pont d'Avignon. S'il y a des petits nuages, quelque chose comme ça, ça pourrait être très sympa. J'ai vu pas mal de spots sur Google où les photos étaient très jolies, donc je me dis que ça pourrait être très cool si on n'est pas trop fatigué, parce qu'on a tellement été speed. Puis je vous avoue qu'en ce moment Elias il est assez intense, c'est assez compliqué de le tenir, de le mettre sur des activités. Il est vraiment hyper énervé, hyper speed, donc ça va lui faire du bien ce week-end, il va pouvoir se défouler, ça va bien le fatiguer, ça va lui faire du bien. Donc aussi très contente de l'emmener là-bas. Je vous dis pas tout, vous saurez ça plus tard. Voilà.
Et voilà, on vient d'arriver, on va aller à la chambre là. Romain fait tout tomber. Et l'hôtel est trop beau. Franchement, le hall, je vous montrerai après, c'est canon. On est trop contents. Du coup, là, on va découvrir la chambre. On va voir si elle est belle. C'est parti, Elias. Alors, c'est comment? C'est beau? Ah bah oui. Il y a deux lits, un pour papa et un pour Elias. Ah bah super. Tu vas faire dodo là, toi? Eh bah oui. Ah bah elle est sympa la chambre, hein? Ouais, elle est spacieuse. Elle est spacieuse, ouais. Je vais aller voir la salle de bain. Et voilà la petite salle de bain. Bah franchement, c'est super sympa, c'est hyper spacieux. On va être bien ici, hein? Est-ce que tu as hâte d'aller au parc? Ah, il y a que là une télé. Bah c'est déjà bien. Bah tu viendras dans mon lit regarder la télé. Il a fond. Mais toi, maman. Tu veux un café? Regardez-le avec sa tête de filou. Il a vu là-bas les trucs pour faire du café. D'ailleurs, nous, on n'en boit même pas. Et il me dit, maman, tu peux me faire un café? Il m'a tué de rire. Il y a des petits boutons dessus. C'est un coffre-fort. C'est pour cacher les choses de valeur dedans. Oui. Et moi, j'ai pas un ailleurs. Toi, t'as rien de valeur? Non. T'as pas pris ta tablette? Non. T'as pas pris tes voitures? Non. Non, ok. Bon, ça va alors. Bon, comme je vous disais, l'hôtel est vraiment canon. Je vous montrerai après le hall, c'est trop beau. Et là, on va commencer à manger. On est au restaurant de l'hôtel qui est canon. Vraiment canon. Régalé. Je vous filmerai l'hôtel un peu plus demain si j'ai le temps parce que là il y a beaucoup de monde du coup. Comme il y a un resto, le resto est absolument canon, hein. C'était vraiment trop bon. On était en train de visiter, il y a une salle de fitness. Du coup Romain il est content. Elle est trop bien la salle de fitness, je vais vous montrer. Regardez. Voilà, et ici du coup. Romain est déjà à fond là. Alors ces poids sont-ils bien? Oh oui. Des poids libres, ça change. Ça change parce que c'est vrai que nous dans notre salle de muscu, on n'a pas de poids libres comme ça. Non. Est-ce que c'est plus dur? Ouais. Mais tant mieux, ça change. Ça travaille plus. Ouais. Tu me tues. Il est trop marrant, regardez. Il me fait rire. Tout à l'heure, il fait le sport avec papa. On va le fatiguer comme ça avant d'aller dormir, c'est bien. Alors, c'est pas trop difficile? Non. Est-ce que ça va aussi? Lâche-toi. Lâche-toi et cours. Non, Romain, il va tomber. Vas-y, cours. Il est trop mignon. Et cours vite. Cours plus vite. Non, mais faut que tu te lâches. Lâche-toi, aussi. Je suis derrière. Lui, c'est bon? Et tu? Des deux comme ça? Tu mets dans le fond, pose ta tête. Mets comme ça et tu fais. Lâche-moi, allez. Non, pas comme ça. Comme ça, regarde. Tiens, les tiens, déjà au milieu. Ouais. Et tu le remets comme ça, regarde Elias. Et là, tu fais comme ça. Vas-y, pose ta tête. Et tu fais. Comme ça. Pose ta tête comme ça. Ah ouais, là t'es fort là. Waouh. Là, faut que ton coude il reste. Il est trop mignon, j'adore. Moi je craque. Maman Gaga quand il fait des trucs comme ça.
Bon, du coup, on vient de remonter à la chambre. On a allumé la TV, vous l'entendez derrière. Romain devait aller prendre une photo du sunset, mais il y a énormément de vent. Et j'ai juste pris une veste pour Elias et j'ai oublié de prendre des petites vestes pour nous. Du coup, demain, on ira acheter une petite veste pour faire un sunset après être entré de l'endroit où on est invité. J'ai trop hâte, trop hâte. Voilà, comme ça, on pourra aller faire un sunset. Il a repéré, bah, du coup, le pont d'Avignon pour faire un sunset. Tout ça, ça va être super sympa. Et j'ai hâte. Hein, Romain ? Toi aussi, t'as hâte de faire un petit sunset aussi ? J'ai très, très hâte de photographier le pont d'Avignon. Oui. Parce qu'on y danse tous en rond. Oh, vous l'auriez vu là avec son petit déhanché. Tu nous le refais ? Non. Allez. Bon bah voilà, du coup bah je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour le prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Puis bah demain vous pouvez encore nous suivre dans nos petites aventures du week-end du coup.